Notre cinquième et dernière question, c'est comment préparer son premier discours? C'est une question de Teresa. Eh bien, Teresa, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème. Je l'ai intitulée « Briser la glace, icebreaker ». Je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo. Je te mets au passage trois conseils. Ne te mets pas la pression pour faire un super premier discours. Parfois, je vois certains nouveaux qui se mettent un petit peu trop la pression parce qu'ils veulent que leur premier discours soit réussi. Donc ça, c'est mon premier conseil. Ne te mets pas la pression. Deuxième conseil, fais-le rapidement pour te jeter à l'eau. Là aussi, je vois trop souvent des nouveaux patienter des semaines, voire des mois avant de faire leur briser la glace. Mon conseil, c'est fais-le le plus vite possible. Comme ça, tu te jettes. Et c'est vraiment en passant à l'action qu'on va progresser. Troisième conseil, parle de toi pour se briser la glace. Hein. D'ailleurs, c'est inscrit dans les guidelines pour le briser la glace. Il s'agit de parler de soi, il s'agit de se présenter aux autres membres du club. Si tu n'as pas d'idée sur la structure à adopter, tu peux utiliser une structure ternaire de type passé, présent, futur. Bah, ton passé, ça va être où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, ta famille, tes études. Ton présent, ça va être ton activité actuelle, ton métier, éventuellement ce qui te pousse à venir chez Toastmasters. Et enfin, troisième partie, ton futur. Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves?